Schtroumpf alors! C'est Maxime Moulin et on se retrouve pour la scène de la soirée de Sir Fref, le premier de ce nom! C'est super! Et on va continuer la partouze quand Steve reviendra! En attendant, argumente! Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Ça va? Ouais. Alors qu'est-ce que t'aurais envie? Tu veux un kebab? Ouais. Je vais manger Steve? Non, il est pas bon. Il vaut du ketchup avec. Et là, tu prends Steve. Attends, je vais chercher à boire. Ouais, bah vas-y, hein. On n'est pas à cela après. Eh oui, la règle vaut de commencer avec Steve, mais Steve ne vient pas. Mais alors, que faisons-nous à ce moment-là? Nous allons tuer Steve. Allons à la chasse à Steve. Bon. Bon, moi je vais continuer. Bon. Bon. Putain. Ils veulent vraiment pas venir. Bon bah, nous allons continuer tout seul alors. Merde, je croyais qu'on vous avait perdu. Ah bah c'est en fait je suis là. Pendant la perte d'être en taxe, j'ai eu un écho du transmetteur de cette aile. Il est de l'autre côté de la zone de recherche. Va falloir se manier pour l'avoir. Ouais, bon donc Fettel est dans le coin. Visiblement les répliqueurs aussi. Non, je suis pas là! C'est faux. Donc là, on rencontre les réplicas déserts de nuit. Voilà, ils sont déserts. Eh, désert! Désert-moi! Donc là, vous pourrez marquer la tenue désert et surtout le symbole réplica qui est sur leur bras, qui est rouge, alors que les recons, il était vert. C'est principalement la différence. Bon, allez. Oh, regardez. Eh, dites bonjour au réplica là. Monsieur. Là, regarde. Le réplica là. Coucou. T'as déjà tourné ou quoi là? Depuis longtemps. Depuis 3 minutes, ouais. Est-ce que lui son sens de longtemps c'est... Bon. C'est pas grave, il se méfie. Bon. Donc voilà, ça c'est le réplica des airs de nuit, comme je disais. Et, ah eux, ouais. ils ont un brassard rouge, alors que les recons c'était vert. Ça c'est le symbole réplica, ce qu'il y a sur leur bras. Moi bon, j'aime bien vérifier que c'est bien cadré. Ah ouais, bon. Ton garde est très méchant parce qu'il se tient debout bizarrement, oui. C'est un très méchant monsieur. Ah putain. Alors. What's going on? Tu peux. En fait tu vas derrière, je préfère Steve devant. Je préfère Steve devant. J'ai vu tout trembler. J'aime pas quand je vois tout trembler. Derrière. C'est bon. Derrière.
c'est bon. À la place du coucher. À la place du Jérémy. Oh, une fois que je vais prendre sa place. This is the place. Alors Steve, t'as rien raté, il y a juste le chef qui est content de reprendre contact avec nous parce qu'on avait perdu le contact et qui nous dit que Fettel est dans le coin. Chose qu'on avait remarqué, je pense. Hein. Donc là, on ramasse plein de grenades et donc on a affronté un nouveau type d'ennemi là. Ouais. T'es content? Et donc, à partir de cet intervalle, on va essentiellement rencontrer ce type d'ennemi. Les fatigues, on va beaucoup moins les rencontrer. Ah. Je peux confirmer qu'elle n'était pas dans le coin quand les hommes de Fettel ont atteint le complexe. Mais je n'arrive pas à trouver sa femme. Elle va peut-être pas qu'on la retrouve. Donc voilà. C'est une vitre laser. C'est une vitre laser. D'ailleurs, attends, commentez juste, c'est vrai, il faut que je regarde la vidéo. Alors, Popom, commentaire, on n'est pas à ça près. Jean-Pierre, es-tu prêt? Non, pas un truc aussi merdique, hein. Peut-être pas déconneur, les trucs. Donc là, on parle de Geneviève Aristide, de la présidente d'Armacam. Hein? C'est pas un personnage anodin. Attends, moi, faut que j'aille pisser, moi. Putain, dis donc. Oui, mais c'est urgent. C'est le président qui m'appelle. Bah allez, vas-y. Tu vois, il y a son téléphone dans les chiottes. Donc voilà. Alors, le Hilter Booster, le premier. Ah ouais. Sur YouTube, là, pour trouver les boosters. Oui. Pourquoi tu cherches pas toi-même, gars, c'est mieux, hein. Parce non, parce que je veux tous les montrer. Et vu que j'en avais raté à chaque fois, j'ai beau recommencer la partie que j'en rate toujours, je préfère. Donc ça, c'est bon, ça c'est l'ordinateur. Bon. Alors, touk-touk, attends. Donc je retiens un peu la zone, voilà, où il y a le booster. Non, regarde pas s'il te plaît, parce que j'ai envie que tu découvres après. Alors, ouais, il y a l'autre truc, ensuite, le réflexe booster, ouais c'est vrai, c'est quand on reviendra plus tard, parce que là on le voit le réflexe booster, mais on l'aura que plus tard, ça je le sais, hein, plus tard ce sera ouvert quand on reviendra ici, et on pourra y aller, et après c'est bon. Donc, il y a plusieurs trucs audio, bon ça j'essaierai de vous les trouver au fur et à mesure. Il y a un ordi portable, un truc de santé, c'est le premier truc qu'on récupérera, et le dernier truc à récupérer, ce sera ça. Donc là, j'espère que Steve va revenir, parce que sinon il va rater un de ces trucs. Bon. Oh, des mines! Une mine! Oui, j'adore le faire, ça. Alors, des mines, alors... Des mines, 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 bon. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut pas accéder là. Mais ce qui est sûr, paquet de chips. D'ailleurs, c'est quoi cette marque? Alors. Cheesy Poos. Ça c'est de la marque. Bon, on va continuer un peu notre chemin. Allô? Oh, c'est vous. What? Je crois que j'étais foutu. Monsieur Mapes, vous êtes toujours en vie? Oh, grâce à vous en tout cas. Qu'est-ce que vous faites ici? Les ascenseurs ne fonctionnent pas et ils sont partout. Vous devez trouver le bureau de sécurité et bypasser le verrouillage. Vous allez vous tenir tranquille cette fois? Je le jure. Ce que j'adore, c'est qu'il fait comme s'il avait encore le cactus, mais je l'ai enlevé de sa main. Bon bah, nous avons Norton là, qui attend qu'on réactive les ascenseurs. Et qui jure de ne pas partir cette fois-ci. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut que je fasse sortir le chat. Allez, sort le chat. Bon Steve, on a recroisé Norton. Ah bon? Et il avait un cactus dans la main. Sauf que, en lui foutant un coup de poing, j'ai enlevé le cactus, sauf qu'il avait toujours
il fait toujours comme s'il avait le cactus. Et là, il nous dit qu'il va pas bouger le temps qu'on réactive tous les ascenseurs. Hein, Steve? Mais tu le sens bien qu'il va encore nous abandonner, ce connard. Bah oui, c'est un gros. Bon, sauf qu'évidemment... Évidemment, comme c'est d'habitude, cet enfoiré, il évite tous les ennemis, parce qu'évidemment, l'étage est rempli de réplicas. Eh ben dis donc. J'ai cru que c'était un booster de santé, le truc bleu. Non, si c'était un booster de santé, ce serait un booster de santé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh mais ils ont l'air de se marrer là-dedans! Booster de santé. Ça se marre, hein? Hein? Jason? Jason? Bon ben, il y a tout le monde qui s'inquiète. Ça a pas les messages, hein? Ça varie, hein? Un coup c'est quelqu'un qui s'inquiète, un coup c'est quelqu'un qui s'inquiète, un coup c'est quelqu'un qui s'inquiète. Mais dis donc. Bon, c'est par là. Ah non, c'est fausse alerte. Oh putain, des réplicas. Je crois qu'ils sont un peu beaucoup nombreux. Ils étaient trois au moins. Et je crois qu'ils sont là. Comment vous savez que je suis là? Je viens juste de débarquer en ville. Mec, j'aurais peut-être dû lui prévenir. Donc plus tard on ira ici. Il y aura d'autres ennemis, c'est pas drôle sinon. Donc là, essentiellement dans ce niveau, c'est des réplicas des airs de nuit qu'on va affronter. Ouais. Les réplicas des airs normaux, ce sera que je crois dans le niveau suivant. Je suis plus sûr. Oh bah Stéphane, t'es un réplica toi aussi? Bon, on va varier un peu. On va changer d'arme. On va prendre... Non, pas celui-là. On va prendre le pompe où j'ai munitions max. Hé hey. Oh. 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 C'est pas facile dans ce FPS. Tout est centré sur notre ralenti chéri. Je crois qu'il a plus de gueule. Il va acheter des Ray-Ban ou du Optic Damn. Quoi? Il faut bien qu'il achète des lunettes, il a plus de tête. Et deux oeils en verre. Et une tête de poupée gonflable. J'aime pas les ordinateurs. Ah, lui, il a été démembré en deux. C'est pas vrai. T'as des preuves? Ouais. Que c'est pas vrai? Bah regarde à gauche. Il y a son cadavre, on peut le coller. Avec de la glu. Bah essaye hein. Jamais fait expérience. Putain, évidemment, le truc de boisson, il est hors de portée. Putain, moi qui avais une petite soif. Tu cours à ta pisse. Pap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 am. C'est trop drôle. Bon, c'est ouvert on dirait. Et ici, c'est ouvert, on dirait. C'est par là. Ouais. Donc moi, je vais aller par là un peu. Mais on peut pas y aller. Donc C'est pas un fail, non, c'est faux. C'est faux, monsieur. Mais je vous le jure, c'était pas un fail, monsieur. Mais je vous le jure. Mais je vous le jure. Fail. Bonjour. Quoi, fail? Bonjour. Là, c'est fail pour lui. Ah oui, c'est vrai, on a une nouvelle arme là. Que je vais remplacer par celle-là. Voilà. T'es sérieux, avec 15 roquettes dedans, je pense que ça doit être de la merde. Enfin, de la merde, pas des puissantes roquettes quoi. On va voir. Testons sur monsieur Bernard là, qui vient de nous rejoindre. Alors Bernard, c'est de la merde? C'est parce que ça en tire 3. Mais c'est pas de la merde. Ouais. Surtout contre les grosses armures. C'est pas de la merde. On va l'économiser. Parce que c'est pas de la merde. C'est pas de la merde? C'est pas de la merde. Mec. Non! Tu ne m'as pas vu! Faux! Alors on danse! Hâte de regarder mes couilles.
Eh mes couilles, c'est du poulet halal. Bon, là nous avons un ordinateur. Bien, monsieur. Quelques infos en plus sur PTL. Il a été développé dans le cadre d'un projet appelé Origin. Il semble que le premier prototype n'ait pas été viable. PTL a été le deuxième et il n'y a jamais eu de troisième. Ils ont abandonné le projet quelques années après sa naissance. Oh, le troisième, il a dû être triste, vu qu'il est jamais venu. Bon, moi, lui, on peut le péter. Il y a une telle shoot de merde. Bon. Il n'y a pas de shoot. C'est faux. C'est juste que je me shoot pas. Bon, on va pas aller par là. La fin du chapitre. Non, bref pas. C'est pas la fin du chapitre, hein. On vient à peine de commencer. On retournera en plus dans les précédentes zones. Non, le chapitre vient que de commencer. Eh oui, à couvert les gars. Couvert. Non, s'il est bloqué ici. Ça va les gars? Ouais. Mal de crâne? Non. Ne vous en faites pas, s'il y a mal de crâne, il y a point S. Ok. Trouver neutralisé, Paxton Fettel. Bon, c'est ouvert, il n'y a pas de réplica qui veulent venir. Non, on est à Bogota, ils viennent pas. Parce que c'est moche à Bogota. Geneviève arrive. Ah bah, Geneviève. John, c'est Geneviève. Le plan du sénateur est à l'eau. Les forces spéciales n'ont pas réussi à neutraliser Fettel. Nous devons nous préparer au pire. Informer les forces de sécurité qu'elles ne laissent entrer personne. Nous avons besoin de temps pour nous occuper de la situation. Fin des messages. Vous remarquerez une chose, c'est que, bon, Geneviève, on la verra pas dans ce jeu. Mais on la voit dans le prochain. Et sa voix a fortement changé. Elle fait plus vieille dans la voix. Parce qu'en fait, elle est plus vieille. Elle est vieille. Salut, Déclan. Pour moi, il n'est pas visible. Foiré. T'as vu l'enfoiré, là? Pas l'enfoiré. Ah, mais l'enfoiré. Il n'y avait pas un truc, là, avant? Attends, là, je reviens, là. Je vais chercher le booster de réflexe. Hop, on a déjà tout récupéré dans le niveau. Bon, bah, Norton Mapes nous a bien eu sur le coup, hein. Bon, maintenant, je sais plus où il faut aller. Mais on va essayer d'y aller. Bon. Allez, on y retourne. Non, je suis pas pédé, arrêtez de dire ça. Je vous autorise pas. Donc ici, c'est ouvert maintenant. Donc Norton, il est parti, cet éléphant. Et on va essayer de le suivre. T'y crois, toi? Non. Mais c'est normal, c'est Steve. Steve ne croit jamais rien sans preuve. Parce que c'est Steve. Steve, le preuveur de l'enfer. What? Bon. Allons-y, on va essayer de pas tomber. Vas-y, tombe, ça sera marrant. C'est haut? Ah oui, c'est haut. Non, c'est bas. On y reviendra dans les ascenseurs, là. Mais dans un autre niveau. Interception, personnel non autorisé, l'ingénieur Norton Mapes d'Armaca a encore refusé l'aide proposée par l'éclaireur du FIR pour l'évacuer. La position du signal Fettel est toujours la même. Vous devez absolument atteindre Fettel avant qu'il change d'endroit. Au revoir, on se retrouve pour une prochaine vidéo.